On est prêt, on n'a rien oublié. Nous, c'est Daniel et Virginie. Le projet, c'est la route de la soie. Pour le moment, on prépare Phil, un Unimog de 1986. Et on a la chance de le faire en Corse. Alors suivez-nous, abonnez-vous. À bientôt. À bientôt, salut. Bonjour à tous. Nous quittons le Rekam à Boudlib et nous tenons à remercier François pour son accueil chaleureux. Voilà, la piste entre les deux palmiers. Et direct. C'est la première fois que Phil pose les roues sur le sable et on ne sait pas encore jusqu'à quel point il faut dégonfler. On apprend, alors on teste et on adapte. On dégonfle. Aujourd'hui, on relie Boudlib à Erfoud par une ancienne piste du Dakar. On va alterner piste roulante et dunettes de sable. Tes impressions. Allez, vas-y, passe les vitesses. Tu peux passer de la troisième à la cinquième, c'est pas important. Non, n'oublie pas, hein. Non, tu peux rester comme ça, hein. Tu peux passer directement au point mort. Freine, très bien. Freine, stop. Point mort. Non, point mort. Ça, point mort, tu y es pas là. Regarde. Là, tu es point mort. Et tu mets le machin à zéro. Ouais. Tu le lèves. Non. Oui. Et tu enlèves le truc, tu le mets au point mort, l'inverseur. Non. Et l'inverseur au milieu. Et je peux lâcher. Lâche. Là, je ferme comme ça. Non, non. Ah, oui, si tu veux l'éteindre, ouais. Yeah. Bon, alors les muscles, tu sais, au début, tu t'accroches au volant. Et puis après, ça se détend. Mais...
prends-le de l'autre côté. On profite de ces quelques kilomètres de piste pour vous mettre à contribution. Cette modeste chaîne nous tient à cœur. Donc, pour lui donner de la visibilité, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci. Passe là. Là, hein ? Ouais. Petite piste. Et tu remplis le bac pour que les animaux ils viennent s'abreuver. C'est là que tu refais. Arrête. Bon, on va la rejeter dans le puits, hein. On va pas la gaspiller. C'est bon? Oui. Il faut que tu viennes plus près de l'autre côté. Elle est pas chaude. Essaye, écoute, là pour aller te le saluer ou pas. Non. Merci. Bon, je relâche tout, hein. Je vais lâcher. Je vais lâcher doucement parce que jamais, je vais pas leur dire le truc. Il s'est rempli d'autres. Si elle est dedans. Bivouac de ce midi. Il est lourd. Ah, il est lourd par rapport à vous. Vendez de l'eau, monsieur. T'as fait le nettoyage. Ta voiture était poussiéreuse. Ah, je connais quelqu'un comme ça. Il nettoie sa voiture. On s'arrête pour la pause casse-croûte au milieu de nulle part. Mais on n'est jamais seul dans le désert. Il y a un âne, seul, puis arrive un Touareg, porteur d'eau, avec ses ânes. Il s'arrête manger un morceau avec nous. Ses ânes, eux, continuent, ils connaissent le chemin. Le soleil en plein dans les yeux, tu vois. Allez, prends tes deux pendentifs. Ils sont mis là de côté. Oui, et le petit comme l'œil de Sainte-Lucie, fossile. Voilà, tu payes 50 et 50, 100 dirhams. À voter. Thank you.
Ah, ça y est. Allez. Ah, planté. Ok. Alors, tiens. Marche arrière. Trois. Deuxième essai. Cette piste a été une étape du Dakar. On l'appelle la piste Citroën à cause de la stèle qu'on peut y découvrir sur le tracé. Marius Boucher, concessionnaire Citroën à Casablanca, a été tué à cet endroit dans une embuscade alors qu'il était au volant de sa Citroën C6. Les chiffres de la stèle sont, après recherche, 1898 à 1933. À la mémoire de Bush, Boucher Marius ou Bush, 1848 quelque chose. 36, ses amis et les établissements Citroën. C'est pas possible, 1800. Et si, 48. C'est un 8. 1848. Oui, hein. Non, 1858. 1933. Oui, ça serait plus logique. Oui, oui, 1933. De toute façon, tu vois qu'il cherche. Ah ouais, là, ça monte dans les tours. Ça s'entend. Voilà, quelle trace. Là. Lorsque nous rejoignons l'Oued Ziz, nous longeons une immense oasis avec plusieurs villages. Les abords des Oued offrent d'un coup de la couleur au milieu du désert. Les palmeraies sont entretenues, de nouvelles sont plantées. L'Oued Ziz prend sa source dans le Haut Atlas oriental et traverse également Erfoud.
barbecue. Ah. Ouais. Nous avons parcouru une centaine de kilomètres de piste en prenant notre temps et nous arrivons suffisamment tôt au caravansérail Tifina pour nous rafraîchir dans la piscine. Je t'avais versé la piètre. Ah oui, mais tu peux verser la bière sans alcool, c'est de l'eau sucrée. Trop de caramel. Elle le fait. C'était mariné hein, déjà. Pendant que vous gonfliez les pneus, on faisait des selfies avec les dromadaires derrière le plan. Sur cette carte de notre trajet sur Google Earth, on se rend compte du côté désertique de cette région du Tafilalet oriental. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures sur les pistes du Maroc.